Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les cartes? Ouais, le classeur. Ouais. 3 euros le classeur. Et l'autre en dessous, les cartes Pokémon? Ouais. 3 euros aussi. Il y en a un peu moins quand même des cartes. Les 2 pour 5, ça vous va? Oui. Ouais. Allez, parfait. Les 3, vous les prenez? Et sinon, juste ces deux-là. 5 à la limite. 5 et 2. Allez, super. Bonjour. Bonjour, vous vendez combien les accessoires et les télémanettes et les jeux? Bah, si vous prenez tout à 5 euros, c'est bon. Bon, bah allez, 5. À 1 euro, c'est le frais ça ou pas? 11 euros, c'est pas cher. À 50 alors. Bah, à 50, allez, deux, à 50 c'est bon. Et salut à tous! Salut à tous! C'est le retour de la chaîne Heartbreaker pour une nouvelle vidéo. Allez, on y va, on attaque tout de suite le compte-rendu des achats Micromania. On a trouvé un petit Project Zero. Le 2. Le 2. Pour 19,99€. Qu'on a pris avec un petit avoir. Voilà, donc ça c'était une bonne affaire. Ensuite, dans un cash express, je vous le montre timidement dans la vidéo, on trouve une manette, la manette Zelda sur Wii, qui était à 19,90€. Donc c'est très intéressant de la récupérer, sachant qu'ils vendaient la manette normale à 14 euros, donc celle-ci 19, ça reste une très belle affaire et ça fait un bel objet pour la collection Zelda. Ensuite, un petit Mario qu'on n'avait toujours pas. Celui-là qui nous manquait dans les jeux Wii, donc on le récupère et là on attaque donc les vides-greniers. Et pour la somme de, je sais plus... 1 euro. 1 euro, voilà. Donc là, on tombe sur un petit lot dans un vide-grenier d'une personne qu'on ne croise pas souvent et qui revend légèrement du jeu vidéo. Il faisait des prix vraiment pas chers à l'unité. Pour vous dire, déjà, celui-ci, c'était 8 euros, prix de départ. Il était complet. Hop, c'est la version normale, il n'y a pas l'OST dedans. Ensuite, il y avait des petits jeux NES que je n'avais pas, le Prince Vaillant. Bon, c'est pas des gros titres, mais c'est toujours sympa de les récupérer et puis de trouver ce genre de choses en vide-grenier. Le Marble Madness que j'avais... quand j'étais plus jeune et que j'y récupère là aujourd'hui. Et avec les notices. Avec les deux petites notices. Donc c'était 5 euros annoncé le prix de jeu à chaque fois. Et ensuite j'avais voulu prendre des petites fèves. Donc vous voyez une petite fève Knuckles. Bon, il lui manque un petit bras. On a un Luigi. Deux pins, pareil que je n'avais pas ceux-là. Un Mario de chez Candia. Et un Luigi. Hop, c'était quand même une bonne affaire, 20 euros le petit lot, ça reste très très accessible pour du vide-grenier, même si c'était un stand d'un, on va dire, revendeur. Voilà. On continue avec des jeux PC, le Age of Empire et le Age of Empire Asian Dynasty, les deux pour 2 euros, parce que je suis un grand fan de Age of Empire. On a trouvé sur une pile de jeux un petit Zelda Twilight Princess pour la somme de 2 euros, le Zelda Twilight Princess. Sur un autre registre avec la PS4, ce petit Resident Evil 2 Révélation pour la somme de 5 euros. Voilà, qu'on avait déjà mais qu'on garde sous blister, donc celui-là nous permettra de tester, surtout qu'il est possible de jouer à deux. Donc là, il était vraiment tard et j'ai trouvé donc sur une pile de jeux. Apparemment il en est déjà parti avant, donc je sais pas ce qui a pu partir, j'ai pas voulu demander à la personne pour m'éviter une trop grande déception. Bon, j'ai trouvé quand même le Turtle Smash Up, un petit Tortue Ninja sur PS2, j'en avais aucun, donc c'est chose réglée, il y en a un qui rentre maintenant.
et le Silent Hill 2 qui était en très très bon état. Enfin, ça c'est celui que j'avais moi en fin de compte, parce que j'ai fait un échange avec le mien. Et le mien n'avait pas les petites notices, et c'est chose faite également, puisque l'autre, je vais vous le montrer, qui vient rentrer dans la collection, donc qui n'est pas déchiré au niveau de l'étiquette, hein, et puis en plus de ça, ben, qui a sa petite notice, et ses deux CD comme il faut bien. Donc voilà, ça permet voilà, d'acheter des jeux comme ça, de compléter les siens ou d'échanger pour avoir le meilleur état, et forcément dans une collection, c'est quand même plus sympa. Donc il est très tard et je discute avec une personne, on se balade, hein, on fait vraiment là, on est sorti du contexte je cherche, je cherche, je cherche, là c'était vraiment de la balade. Et sur une espèce de frigo, je vois ça au loin, de derrière, et du coup je demande à voir, et puis hop, bon j'avais vraiment le coup d'œil parce que j'ai tout de suite reconnu bien sûr Squall de Final Fantasy, et en fait il y avait les deux boîtes, mais à l'intérieur, c'était des disques qui n'avaient rien à voir avec le jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même demandé à la personne... bon, il y a quand même une petite notice de Final Fantasy VII, donc c'est toujours très très bon de récupérer des boîtiers vides et des notices, parce que ça permet de compléter le sien. Hop. Donc ça a été très très dur d'avoir ces deux petits jeux à un prix intéressant, parce qu'au départ, bah, c'était je sais plus combien, je crois qu'ils vendaient 5 euros le truc. C'est pas que c'était cher, mais c'est surtout que les boîtes étaient complètement vides, donc du coup ça servait à rien de mettre aussi cher pour des boîtes vides. Donc j'ai pu avoir les deux pour 3 euros, ça a été très dur de lui faire enlever les CD qui étaient à l'intérieur, parce qu'il comprenait pas, lui il disait « Ah ben non, regardez, il y a les disques dedans », mais je lui dis « Mais attendez, regardez, c'est pas les bons titres ». Donc voilà, moi ça me sert beaucoup ces petites choses, pour la somme de 3 euros les deux. Et c'était pas comme titre dedans ? Non, mais c'était pas du jeu PS1, c'était des DVD qui avaient rien à voir. C'était genre la France, les rivières, les trucs. Donc on arrive sur un petit stand, et puis vous le voyez dans la vidéo. Je trouve une petite manette PlayStation. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, qu'elle était en boîte. Ça me rappelle ceux que j'avais trouvé neuf sous blister dans un autre vide-grenier. Donc celle-ci, ça me permet de la voir et de en ouverte, on va dire. Et voilà, je négocie un peu avec la personne, et puis on arrive à tomber d'accord pour 5 euros. Et en plus, il y avait donc ce petit truc-là, le Skylander Swap Force avec son petit socle, pour la somme de 5 euros les deux, donc c'est pas très cher. Ensuite, pour la somme de 2 euros, un Amiibo neuf, et c'est la première fois que j'en croise un, c'est celui de Ganondorf. Voilà, donc c'est très sympa de tomber sur ça pour 2 euros, franchement, c'est très très bien. Voilà. Alors, j'ai récupéré pour la somme d'un euro. C'est de la présentation. J'ai un appareil, je sais pas ce qu'il me fait en ce moment. Il fait n'importe quoi avec le focus de merde. Voilà, donc une petite manette effet Wii pour la PlayStation 3. Voilà, pour la somme d'un euro. Allez, je fais vite. Je me débarrasse de cette chose. Pour la somme de 1,50€, on a trouvé une statuette figurine de Batman. Elle est un petit peu curieuse et surtout... Elle est dure ici et molle ici. Voilà, c'est un peu mou, on voit la cape en fait. Hein, c'est pas mal détaillé. Je sais pas avec quoi elle était fournie. J'ai pas trouvé de lien sur internet. Il faudrait que je cherche peut-être davantage. Mais voilà, pour 1,50€, j'ai trouvé ça sur un stand et j'ai dit allez, hop, c'est pas mal. Et voilà, elle est quand même assez stylée, puisqu'elle est quand même sur une gargouille, prêt à bondir sur sa proie, donc c'est toujours sympa. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. Alors, la boîte. Pour 50 centimes, une boîte remplie de jeux Game Gear. Menteur. Voilà, non, en fait, c'est, je me suis dit, allez, cette boîte me plaît bien, elle est transparente. Mais j'avais dans l'idée, je pensais pas que ça marcherait aussi bien, mais les jeux Game Gear, dans ce genre de boîte, ça rend hyper bien, donc j'ai payé ça pour 50 centimes. Et vous voyez, on peut mettre une tonne de jeux Game Gear. Et elle est surtout costaud. Elle est très jolie, transparente, c'est pratique. Voilà, je n'avais rien pour mettre mes jeux, et maintenant c'est fait. Alors, on va terminer cette vidéo par, je pense, la meilleure trouvaille. Voilà, c'est vraiment des choses pas communes. On tombe sur un carton, et en fait, pour l'anecdote, j'ai un espèce de concurrent qui cherche des jeux, mais lui, il cherche du récent uniquement, donc... En fait, il s'en fout un peu de l'ancien et il est pas très intéressé. Il a pris en fait une manette PS2 et dans le carton, il y avait ça encore, plus tous les jeux que je vais vous montrer juste après. Donc c'est des manettes Panasonic pour la 3DO. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé la console. J'ai pourtant fait tous les cartons de la dame et j'ai pas trouvé cette console. Donc il y avait quand même deux manettes, une officielle, une non officielle, mais quand même pour la 3DO également.
Et il y avait des jeux, donc il m'a dit vas-y si ça t'intéresse le reste, moi j'en veux pas. 3DO, vous voyez, il y a Shockwave, un Need for Speed, pareil avec ses notices, c'est complet, voilà, en big box, enfin en grosse boîte, un FIFA International Soccer, voilà. Il y avait le Wing Commander 3, la boîte est un petit peu explosée. Voilà, des jeux 3DO, voilà, c'est la première fois que je tombe dessus. Exactement. Un Road Rash sur 3DO, pareil, avec sa notice. Et une démo de Put Put, Join the Parade. J'ai cru que c'était pas pour la 3DO au départ, et puis quand j'ai ouvert, il y avait bien le petit symbole 3DO ici, hein, donc j'ai pris aussi. D'ailleurs, j'ai pris tout le carton, comme vous voyez, je demande juste pour le. À la base, je demande juste le prix pour ça. Et puis la dame me répond, ah ben c'est 5€ avec tout le carton qui est en dessous, donc à l'intérieur il y avait juste une petite PS1. C'était vraiment une très très bonne affaire, parce que voilà, cette console on tombe vraiment pas dessus souvent. Hein. Et puis on va terminer par une toute petite babiole, c'est la babiole du jour, c'est un petit jeu McDo de Spyro. Bon, ça marche, je l'ai fait tester tout à l'heure. C'est bien, refais-le encore. Bah oui, mais ça marche quand ça veut en fait, ah voilà. Ah oui, je crois que la pile est fatiguée. La pile est fatiguée. Ok, donc un petit jeu Spyro, voilà, c'est toujours sympa. Un petit jeu électronique. Hop là. Pour combien? 50 centimes. Ouais, 50 centimes. Voilà. Cette vidéo est terminée. Mmh. Voilà, c'est des petites trouvailles, c'est des petites choses très sympas qui rentrent dans la collection. La prochaine vidéo, on va la mettre dans pas longtemps. On va faire un rythme un peu plus réduit pour les prochaines vidéos, parce qu'on a pas mal de choses en retard et c'est pour ça qu'il faut qu'on vous les présente rapidement. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes trouvailles en vide-grenier. À bientôt. Ciao.